projet en tête de quelque chose de très graphique. J'avais noté ça dans un cahier, mais je l'avais jamais mis. J'ai jamais eu l'occasion en fait de le mettre en place. Ça parlait de fond blanc, de planches blanches qui se superposeraient avec des ombres et des lumières, avec un modèle entre les deux. Et puis l'occasion est venue d'essayer le moyen format, le GFX 50S de chez Fujifilm. Ça a été une révélation pour tout le monde. Je crois que c'est pas la définition ni le piqué qui nous a le plus surpris, même s'il est juste incroyable, c'est la dynamique. On a réussi à rentrer en fait des lumières sur une même image que je ne pouvais pas faire avant. Et ça a servi le projet qui portait énormément de dégradés. Et je pense que c'est ce qui l'a mis vraiment en valeur.